Alors, une fois de plus, on a la chance de se retrouver dans l'atelier de Manon Brassard. Bonjour, Manon. Bonjour, Vanessa. Alors, on est très content de se retrouver encore pour partager notre passion du bricolage. Oui, vraiment. Et aujourd'hui, c'est un épisode qu'on avait hâte de faire, puisque faut dire quand même que la personne derrière la caméra, notre chère technicienne Cynthia, se marie cet été Oui, et oui. on a décidé de lui donner un petit coup de main en l'aidant à préparer quelque chose qui serait beau dans son thème de mariage et qui sera sûrement vous inspirer aussi, puisque ce qu'on fait, ce sera, oui, utile le jour du mariage, mais ce sera en plus un cadeau qu'on pourra donner aux invités par la suite. Donc, dis-nous, Manon, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un attache napkin. Regarde comment c'est joli. Ah, c'est vraiment beau. D'ailleurs, toute la belle table que tu nous as préparée aussi, là, c'est super beau. Thématique un peu champêtre, Exactement, avec des oui. choses qui ne coûtent pas C'est cher, ça, qui toutes sont des petites récupérées. graminées qu'on ramasse là, durant l'été, ben, même en début d'été, il y en a déjà beaucoup. Puis on les fait sécher, puis après ça, ben, on fait notre petit montage, met des belles plantes vertes. C'est ça. Puis notre attache napkin, ben, ce que je trouve intéressant, on va la faire en macramé. Oui, c'est ça. Hein? Puis ensuite, on va pouvoir même en faire un bracelet après. Fait que les invités pourront le garder en souvenir. Fait que ça fait comme souvent on cherche qu'est-ce qu'on pourrait donner à nos invités si on aime Oui. ça les gâter durant le mariage. Fait qu'alors on va pouvoir les personnes le récupérer puis même en faire un porte-clés si on veut. Oui, c'est ça, c'est super original. Les gens vont pouvoir le garder ensuite. Et moi, en plus, le macramé, c'est une technique que je ne connais pas du tout. Donc, tu vas vraiment m'initier à cet art à laquelle je n'ai jamais touché. Et ben, dis-nous un peu, c'est quoi le matériel, en fait, là, qu'on va avoir besoin pour Le le faire? matériel, on va avoir besoin, là, tu vois, gare, de petites cordes de ficelle. Souvent, on en retrouve dans les quincailleries ou même, il y en a que c'est de la ficelle qu'on va prendre là, quand on fait de la cuisine là, avec les chefs cuisiniers. Là, ils prennent ça souvent là, Ah, pour pour attacher attacher le la rose beef. viande, le rose beef, tout ça. Fait que ça, c'est des petites cordes qu'on retrouve super facilement. Après ça, bien, un petit rondin qu'on va percer pour faire un peu là, le médaillon. Là. Puis on peut écrire, même si on veut, durant notre bricolage, écrire le nom ou marquer une petite pensée, quelque chose comme ça pour le mariage. Les Les initiales du initiales du couple, couple, oui. l'année ou la date aussi. Exactement. Puis c'est ça. Puis après ça, bien, on va l'attacher, comme tu vois, puis on va rajouter des petits graminées pour aller avec la table de la façon qu'on va l'avoir montée. Bien, super. Fait que on vous invite déjà à la table de bricolage. On va se déplacer. On va vous en montrer plus, là. Venez-vous avec nous autres. Donc, on est installés ensemble devant la table de bricolage, Manon, et je suis bien contente que je vais pouvoir enfin essayer de faire du macramé. Je trouve ça tellement beau. C'est revenu beaucoup à la mode. Ça a été très à la mode dans les années 70, 80. 80, oui, vraiment. Après, on l'oublie un petit peu. Puis là, c'est en train de revenir tranquillement parce que c'est quelque chose de simple, de peu coûteux aussi. Ça prend du temps, oui, mais le matériel en tant que tel est abordable et ça permet de faire des choses vraiment belles. D'ailleurs, je vois ici derrière moi que tu as fait... Une petite jardinière là, de macramé qui est super facile à faire. Puis le faire même avec les enfants, c'est vraiment plaisant. Très, très simple. Oui, Donc, on va y très aller pour simple. les bases aujourd'hui. On rappelle, on est dans la thématique mariage. On a amené un petit peu de décoration avec nous. Puis, j'ai remarqué aussi que même sur la serviette de table, là, parce que là, on va montrer aux gens à faire un attache-serviette de table, tu as mis aussi des plantes qui sont des vraies plantes Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai été recherchée pour donner le petit clin d'œil du centre de table, normalement, qu'il y a en avant des convives. J'ai repris un peu ce qu'il y a dans les pots qu'on a fait comme décoration, comme centre de table, puis je les ai insérés à l'intérieur pour faire un suivi, pour harmoniser notre table. Mais là, Manon, je suis curieuse, on est en plein hiver. Comment t'as fait pour... Où est-ce que tu t'es procuré ça? Comment Ben, ça c'est ça. fonctionne? Moi, rendu à l'automne, j'aime ça. Quand tu vas faire des balades, là, tu ramasses, t'amènes un sac. Moi, j'ai toujours des sacs dans mes poches. Fait que là, je ramasse des graminées qui ont séché, là, mettons, dans des champs ou les endroits où tu vas te promener. Fait que là, j'en ai ramassé plusieurs. Ensuite, quand tu arrives à la maison, je les nettoie un peu. Après ça, je vais les virer de bord, comme ça. Mettons, si je prends tout du blé, exemple, fait que là, je me fais un genre de petit baluchon, là. Je les mets tout ensemble, je les accroche après une corde, puis après ça, tu t'en vas dans un endroit aéré, soit le garage ou sous le balcon,
puis tu les laisses sécher la tête en bas. OK. Combien de temps? À peu près, je te dirais, une semaine, tout dépendant comment ce qu'il fait dehors, là, mm-hmm. la température. Fait qu'après ça, tu peux les rentrer, puis tu les serres dans une boîte, mais pas à la lumière. OK. Pour essayer de garder le plus possible la couleur naturelle du graminé. Puis c'est sûr, des fois, ça vient foncer un petit peu, ça change, là, mais on peut faire vraiment, vraiment là, t'sais, des beaux centres de table par après, là, même en hiver. Là, oui. Il n'y a pas de problème. Puis après ça, j'ai aussi là, j'ai ici des petites feuilles. Des petites feuilles, ça, j'avais ramassé ça dans mes plates-bandes. Là. Puis j'ai pris une ancienne encyclopédie que j'avais, là, un livre. Puis ouais. entre les pages, là, j'ai mis pas un livre glacé, par exemple. C'est okay. vraiment des pages de papier. Okay. Puis ensuite, je les ai insérées dedans. Tu prends ton livre, exemple, ton livre comme ça. Mettons, c'est ton livre, ta plante est à l'intérieur. Mais il faut que tu mettes quelque chose de pesant par-dessus. OK. Ouais, puis la feuille, elle a un petit peu quand même de l'eau, hein, c'est naturel. Fait que l'eau va s'imbiber dans les feuilles. Tu sais, ça va faire une éponge. Oui. Puis après ça, ben là, vu qu'on est encore à la noirceur, ben, ta feuille, normalement, est supposée de rester dans les mêmes teintes. Là. Fait que c'est. Excuse-moi encore. Pas de problème. Fait que c'est avec ça que, tu vois, là, j'aurais pu en intégrer aussi à l'intérieur là, de ma. De ta. Oui, puis tu en avais mis aussi sur la table tantôt. Oui, c'était oui, super beau. Oui, c'est ça. Oui. Parfait. Et Manon, avant qu'on tombe vraiment dans notre macramé, j'allais presque oublier notre citation qu'on a choisie aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais vraiment la nommer en plus parce que c'est une citation bien connue. Bon, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui avait écrit ça dans Le Petit Prince. Mmh. On ne voit bien qu'avec le cœur. Hein. Oh, c'est oui. le renard qui dit ça. Ça nous a inspiré là, pour notre épisode sur le mariage. Puisqu'on s'inspire beaucoup de la nature aussi, je trouve, on n'est pas dans non plus le grand flafla qui coûte cher, parce que des fois, ça peut coûter vraiment cher quand on se marie. Et là, on y va vraiment dans des choses naturelles là, qui vont pouvoir faire un beau décor. Mmh. Donc, écoute, je pense que je serais prête à ce que tu nous présentes comment on procède là, pour faire la tâche serviette. La tâche serviette, c'est ça. Fait que là, tu vois... On a pris cette corde-là ici, là, on avait regardé tout à l'heure. C'est plus une corde à aliments, pour les aliments. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris ma mesure. Je vais vous montrer la mesure que j'ai prise. Mm-hmm. J'ai pris cette mesure-là ici pour faire notre attache. OK. Fait que là, ça nous en prend. Vu que notre attache, là, ce que j'ai pris mon petit rondin, j'ai percé des trous de chaque côté, comme ça ici. Mm-hmm, avec une fait que ça me prend une corde, deux cordes, trois cordes, quatre cordes. OK. De la même grandeur. Longueur. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu prends ta mesure, ainsi de suite. Là, tu les coupes, tu fais quatre. Puis après ça, tu rentres à l'intérieur ta corde. Fait que là, mettons, je prends celle que j'ai déjà coupée. Faut pas gaspiller les autres, parce que vu qu'on a déjà deux feuilles, là. Là, je prends ma corde comme ça ici. Je vais la twister un petit peu ici, là, dans le bout. OK. Comme ça, pour être capable de l'introduire dedans. Ah, c'est cool. Des fois, on ne l'a pas du premier coup, là. Des fois, peut-être on peut utiliser un petit clou. Pour la pousser dedans. Oui, bonne idée. Super. Là, je vais réessayer encore une fois. Ça fait pas, on va prendre ton truc. On va essayer mon truc. Tiens, ben comme ça. Ah. Arrive. Oh, tu vas l'avoir. Je l'ai. Bon. Fait que tu vois, là, il est rentré comme ça. Oui. Fait que là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller prendre mes deux autres brins là, de corde, mm-hmm. puis je vais aller tout simplement la passer dedans, la chercher. Et voilà. Fait que là, on fait ça, non, on en fait quatre fois, hein, comme ça. Fait que là, tu vas voir. Puis pour faire du macramé, le nœud plat qu'on mm-hmm. appelle, le premier nœud plat, qui est ici. Fait que mettons, là, on est installé ici. On s'est installé, on s'est fait un petit plan de travail, hein? Mais oui! Mon conjoint m'a demandé. J'avais ça, moi, dans le temps, là, quand on en faisait dans les années 80, on avait des plans de travail comme mm-hmm. ça qu'on achetait. Puis, j'ai dit, ça m'en prend un pour Vanessa. Il faut qu'elle soit contente d'en refaire encore du macramé. Fait que là, j'étais vraiment bien organisée. Fait que là, j'ai collé, j'ai pris un morceau de bois. Puis après ça, j'ai pris un morceau de liège que j'ai collé par-dessus, tout simplement. Nos petites aiguilles
à coude, si on veut. Fait que là, je t'ai bien installé. Super. Fait que là, on prend... Puis si jamais vous n'en avez pas, là, ça pourrait être les espèces de planches avec une pince. Ah là, oui, oui, oui. Ça peut faire l'affaire aussi, là, juste quelque chose de solide. Exactement. Fait que tu vois, quand on fait le nœud plat, le premier, il faut toujours garder les deux du centre. Mm-hmm. Fait que là, on les met en extension vers le bas, comme ça ici. Puis ensuite, là, on va faire notre premier nœud. OK, parfait. OK, fait que là, je vais vous mettre ça comme ça ici, là. C'est beau. Fait que là, on y va comme ça. Ça, ici, là, pour commencer, quand on n'est pas habitué, on est mieux de mettre nos cordes, nos brins, là, vers le bas, là, pour être sûr. Fait que là, on va en dessous. Puis ensuite, on reprend l'autre corde qu'on va aller par-dessus, puis qu'on va aller dans la loupe de l'autre côté. À l'intérieur. Et on tire. Et voilà. Là, on a fait le côté gauche. Mm-hmm. Là, on va faire le côté droit. Fait que là, on va faire la même chose, mais à l'inverse. Fait qu'on va prendre... On va descendre. Regarde, tu vois, là, l'habitude, j'en fais beaucoup, hein, fait que l'habitude. Normalement, mon brin, c'est supposé d'être en bas. Oui. Comme ça, ici. Comme on a fait. Puis, ensuite, on prend notre autre brin, on le ramène. Puis, après ça, on tire. C'est quand même pas trop compliqué. Oui. Et voilà, un nœud plat est fait. C'est très simple, très simple. Là, quand même. Fait que là, tu vas reprendre. Oui. Quelle corde? On va voir si tu vas. On va voir si j'ai suivi. Si j'ai bien là. Suivi. Par exemple, là, je vais t'installer comme il faut. Mais comme on avait commencé par la gauche, j'imagine qu'on était rendu à gauche. Oui, c'est si ça. Je me trompe pas. Exactement. Donc, on le passe en dessous, comme ça. Oui. Puis ici, comme ça. Ah, mon Dieu. Voilà. Très bon élève. Hey, regarde! Ouais, c'est ça, pas trop c'est ça. C'est vraiment plus facile bien. Que je pensais, en fait. Oui. Fait que là, tu vas faire côté droit. Maintenant, tu passes en dessous. Donc, en dessous de mes deux cordes au centre. Oui. Tu peux te garder un petit peu d'espace. Là, un petit peu. Ouais, comme ça, pour aller repasser. Là, reprendre la corde gauche. Par-dessus. Ça veut dire dessous, gauche-droite. Puis là, j'étire. Tu montes, ouais, tu vas monter jusqu'en haut. Fait que moi, je t'ai épinglé, là. Celle-là ici. Oui. Pour te montrer combien il faut que tu fasses de petits nœuds plats. Ton exemple. Fait que là, tu calcules combien tu en as à faire. Ouais, bien, j'en ai un, deux. Ben là, je sais non, plus. Tu comptes juste ton petit. Le milieu. Ta petite lune, là. Tu sais, le petit nœud qui fait. Ici, sur le bord. Oui. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Et ça. Fait que tu le fais 5 fois. J'en ai fait juste. Là, tu n'as. 4. Non, là, tu en as deux, un de fait d'un côté puis un de fait de l'autre. Parce que quand tu passes une fois, deux fois, ça fait un nœud. Ah, ça, c'est un. OK, fait que là, j'ai comme deux. Oui, là, c'est ça. Okay. C'est ça. Là, fait tu en as deux. Fait que je t'ai rendu à gauche. Ouais. Fait que je continue. Oui, exact. Cet été, la Télédou du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et, en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Touristes gourmands, hébergements, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve, embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée.
on voudrait faire, exemple, une vrille. Oui. La vrille, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est toujours de faire le même côté. Tu vas toujours passer ton fil, ton brin du même côté. Si tu, mettons, tu décides, tu fais une vrille, mais tu commences à partir de la gauche, tu vas toujours repartir de la gauche. Fait que ça va faire tourner ton point. C'est ce qui va faire la vrille. Ah, je vois. Puis là, à ce moment-là, ouais, ça va, ça va tourner. Une spirale. Oui, c'est ça. Fait que là, j'en aurais quatre de fait. Quatre, on peut en faire encore. Mais tu sais, tu peux regarder aussi. Des fois, tu ne veux pas le calculer à l'œil. La même longueur. La même longueur. Parfait. Ça va vraiment bien. C'est vraiment le fun. Oui, hein. C'est ça, pas difficile. Tu sais, mettons, j'aurais pu... si je regarde ici, là, j'ai fait un autre petit modèle dans le temps que tu termines tes, tes petits nœuds plats. Ici, là, j'ai fait un petit peu le même genre, là, mais c'est un genre de petit porte-clés, mais c'est un peu la même affaire que ça, mais sans le petit bois. J'ai pris la même corde, mais je me suis pris un petit fil de couleur or pour faire plus chic. Ah! Fait que je vais prendre, je vais faire la même chose que ça ici, mais je rajoute un brin d'or, ben, un brin d'une corde or, juste dans les deux extrémités, pas celle du centre. Fait que là, regarde, ça fait plein de petites couleurs tout le long. C'est super beau! Pour donner une thématique, mettons, tu veux ça plus chic un peu. Ou dans les couleurs du mariage. Du mariage, si vous avez, des fois, il y a des gens qui ont des couleurs thématiques, là, ça peut être une bonne manière de l'intégrer. Cool! Parfait! Donc là, je pense que je suis rendue à mettre ma petite bille. Oui, OK. Fait que là, on va défaire ceux du centre ici. Oui. Comme les petites billes que j'ai, moi, ce que j'ai fait, j'ai été avec... je trouvais que l'intérieur, le trou n'était pas assez large. Fait que j'ai pris vraiment ma perceuse, puis j'ai été agrandir le trou. Ah, OK. C'est comme que ça que tu... Parce que je voulais que ça soit délicat. Hein. Je ne voulais pas avoir une grosse bille. Oui, oui, oui. Puis j'ai quand même... La corde est quand même épaisse. Parfait. Puis des fois, si vous n'avez pas de drill, peut-être, je l'ai déjà fait là, pour d'autres projets avec un clou, justement. Oh, on peut gratter un vrai. Peu avec une pointe de ciseau, un exacto. Exact. Fait que là, ben, je tourne un peu mon truc comme ça ici. Puis là, je vais aller l'insérer dedans. Là, c'est le moment fastidieux de dextérité. De dextérité, si je veux la. C'est pour ça que c'est Manon qui le fait. Le premier coup. On va voir si je vais réussir. Je pense que je ne réussirai pas. Peut-être on peut essayer d'aller pousser. Dans ce temps-là, ce que je fais, là, tu sais, quand j'ai trop échevé, là, je donne un petit coup de ciseau comme ça et je recommence. Croisez vos doigts si je vais l'avoir. Et voilà, ça s'en vient. Et super! Là, ben, je voulais je voulais faire un petit peu boucle, là, parce que ça fait plus élégant, là, je trouve, là, pour faire notre attache. Fait que là, tu vas aller le retourner autour de ton petit clou. Parfait. On va faire une boucle. Oui. Oui, c'est celle-là. Tiens, c'est ce que tu vas faire. Là, tu vas te refaire un nœud plat. Comme j'ai fait depuis tantôt. Là, tantôt, tu étais du côté, ton nœud était du côté... Oui, j'étais rendu à gauche. Oui, tu es à gauche, c'est ça. C'est sûr qu'il faut aller voir. Ah, je l'ai fait, mon nœud est à gauche, à droite ou gauche. Là, pas que ça tourne pour faire une vrille. Oui, non, c'est ça. OK, comme ça. Parfait. Et on va le refermer. On va refermer. Par la droite. Bon. Là, le truc, c'est que tu vas faire le même nœud, mais tu vas aller le faire comme... Si moi, j'avais mis à peu près un pouce, là. Fait que, tu sais, je me mets une aiguille, exemple, parce que je voudrais tout le temps avoir la même grandeur, là, de... À chaque... Tu sais, mettons, à chaque... Ouais, loupe, là. Loupe, là. Fait que là, j'ai pris... Mettons, j'ai dit, moi, je veux faire mon nœud ici. Fait que là, tu prends ta mesure avec... Ta petite aiguille. Ouais. Tiens, fait que là, tu vas refaire du côté gauche. Fait que je fais un nœud normal tu comme aller, tantôt? Tu vas aller le mettre à l'intérieur, en dessous, faire comme tu fais normalement. Mais tu vas laisser ton fil jusqu'ici. Tu vas aller faire ton nœud là. OK. Ouais, tu vas voir. Fait que là, je prends ça. Ouais, tu prends ça, tu fais ton nœud comme tu ferais normalement, mais juste à partir où ce que j'ai pris ma mesure. Ouais, comme ça. Parfait, ça. Non, tu le laisses en main. OK. Parfait. Fait que continue. Fais ton nœud complet. Je le laisse un peu loose, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ta mesure.
Parfait. Hey, tu t'en viens rapide. Mmh, pas pire, hein? Ça va bien. T'aimes ça? Ouais, c'est oui, c'est vraiment fun. T'aimes ça? OK, comme ça. Parfait. Super. Fait que là, tu enlèves ça. Puis là, tu vas aller... tu vas prendre tes deux cordes comme ça, puis tu vas l'amener ici. Le monter. Le monter. Ah! Et voilà. Fait que là, tu as ta petite boucle. C'est comme puis ensuite, ça. Tu continues à faire des nœuds plats. C'est sûr qu'on aurait pu faire d'autres sortes de nœuds, mais quand on commence, si on veut avoir du plaisir... Oui. C'est, si on veut en faire beaucoup aussi, là, on est mieux de faire ça pas trop compliqué. Exact, oui. Si on a, tu sais, on a 50 invités, même 100 invités. Ouais, le même 100. C'est sûr et certain qu'on va avoir besoin de... Tiens. De vitesse. Parce que j'ai calculé, là, faire ce que j'ai fait ici, là, ça me prend une demi-heure, normalement, faire une attache. Quand même. Quand même. Si on a 100 invités. Tu viens que tu... Ouais. Fait que là, tu l'as fait, tu les as fait, ouais. Tu l'as assez. Bon, OK. Ouais. Fait que là, tu vas défaire tes choses. Puis là, après ça, tu vas faire tout simplement un nœud pour l'arrêter. Tu fais ton nœud. Un nœud normal. Tu prends avec les cordes. Tes cordes. Puis là, tu vas tourner comme ça. Ah, avec toutes les cordes. Ouais. Toutes tes cordes. Tu fais un nœud comme n'importe quel nœud que tu ferais chez toi là, pour d'autres choses. Pour attacher un sac, exemple. Mm-hmm. Puis là, tu vas venir les tirer comme ça. Tiens. Parfait. Donc ça, c'est beau. Puis moi, tu sais, gare, peut-être que quand j'avais fait, ma corde était comme un petit peu moins longue. Mm-hmm. Là. Fait que là, je vais faire mon nœud pour arriver à ça, ouais, avant de la couper. Parce que ça prend quand même un peu de corde. Mm-hmm. Je m'en refais un autre un petit peu plus bas. Parce que ça va être mon attache. Est-ce que je veux faire un bracelet? Oui, c'est vrai. Hein? Ou un porte-clés. Oui. Fait que là, il faut se laisser un petit peu de... Puis pour l'attacher autour du napkin aussi, pas du napkin, mais de la serviette de table. Fait que tiens, et voilà. Fait que ça, t'as un côté de fin. Super. C'est fun, hein? Fait que là... Ouais, là, tu refais, tu vires. Là, j'avais pris un petit peu d'avance, ça, pour t'aider. Fait que là, on refait la même façon. Mais tu vas tourner celui-là aussi pour avoir le même modèle. Parfait. Ouais. Fait que moi, en attendant, là, je vais prendre... Ça, c'est mon napkin. En attendant que tu fasses... Oui, tu prépares ton petit plan de travail. J'ai mon napkin. J'ai ma serviette de table. On dit un napkin, mais c'est un serviette. C'est un anglicisme, mais écoute, on s'est tous compris. Fait que tout ce que j'ai à faire, bien là, tout dépendant quelle sorte de serviette vous allez prendre. Moi, j'avais pris des tissus pour aller vraiment avec la corde. Je voulais faire ça vraiment champêtre. Fait que là, je vais tout simplement... J'ai tourné ma... Tu sais, j'aime ça qu'on voit les rebords là, de chaque côté. Fait que je le tourne comme ça ici, tout simplement. Puis là, après ça, ben je vais y faire mon petit nœud. En arrière. Ben mon petit nœud, c'est plus une boucle, là, parce que je veux que les gens puissent l'utiliser. Oui, c'est ça, l'enlever. L'enlever, là. Fait que je me suis fait une petite boucle, tout simplement, en arrière. Ça fait beau aussi. Oui. Quelqu'un qui le prend, il trouve ça joli. Ça fait une belle présentation. Oui. Puis ensuite, ben là, je vais aller... Insérer mes graminées. Un graminé. Puis, tous les petits bouts ici, là, tu sais, de cordes que tu vois, là, c'est les bouts de cordes que j'ai récupérés. Ah, ben oui, bonne idée, hein? On est toujours dans la récupération. Exactement. Ici. Exactement. Fait que là, j'ai pris ça comme ça ici. Là, je vais prendre mon napkin, puis là, je vais aller tout simplement l'insérer à l'intérieur, comme ça, je vais le glisser. Des fois, ça pique un peu, hein, les petites graminées. Là. C'est piquant. Hein? Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, on peut le briser un petit peu en l'insérant, là. Mais c'est super beau! Ouais. Puis, regarde, tu vois ta petite boucle de ce côté-ci. C'est pour ouais. ça que ce côté-là que tu fais est moins long. Parce que je veux qu'on voit la bille. Qu'on voit la bille, tu sais, regarde. Tu vois, okay, tu vois ouais, la bille pour ici, en voir une, tu vois je la comprends, boucle. Là, que tu avais fait un côté moins long. OK. C'était le modèle que je voulais, ouais. que j'ai inventé. Puis ensuite, mettons, tu veux encore personnaliser encore plus, tu peux prendre... Moi, j'avais fait encore là, des petits poinçons là, que j'ai là, de scrapbooking. J'ai été tamper un cœur. Puis là, ben, je pourrais aller marquer les initiales. Quelle bonne idée, la date La aussi. Date. En arrière, ça, je pourrais écrire peut-être un petit message. Voici votre présent, faites-en... Un porte-clés ou un bracelet. Un bracelet. C'est pour vous, c'est on vous le vous, donne. C'est pour vous, on vous aime. Je ne sais pas, parce que à votre goût. Là, vous allez personnaliser ça. Fait que là, ce que je fais, je vais prendre
un petit... c'est pour ça que j'ai laissé ça un petit peu plus long, là, je voulais vous montrer. J'ai laissé la corde un petit peu plus longue de mon petit paquet de graminées tout à l'heure. Hein. Oui. Fait que je vais prendre mon étiquette que je vais aller je vais aller l'attacher. Ici, comme ça. Je vais l'attacher. Mon petit message. Puis ça pourrait être aussi le marque-place, hein? La personne, pourrais écrire le nom de la personne. Fait que là, ben, tu peux le mettre après ça, ou ben, tu pourrais l'écrire même là aussi. C'est vraiment une bonne idée, Manon. Comme ça, c'est beau. Ça fait beau, hein? Oui. Avant de terminer aussi, là, de mentionner tous les petits pots, tu sais, tu les as tous décorés de manière, tu sais, on a de la petite dentelle avec de la jute, des choses très simples et vraiment beaux. Puis tu as mis aussi de l'avoine dans le fond du chandelier. Oui, flacon d'avoine. Vraiment bonne. Tu sais, des fois, on a des petites pétales de fleurs, tout ça, mais comme là, à cette époque-ci, j'en avais pas, fait que j'ai mis du petit flacon d'avoine. Mais quelle bonne idée! C'est super beau. Donc, on peut montrer un peu, là... Tu veux-tu que je te fasse un petit... Tu veux me le mettre? Oui. Mais oui. Vincent, un petit bracelet. Je vais mettre ton petit bracelet. Regarde. Et voilà. Fait que là, ton invité. Ah, son petit bracelet. Et voilà. C'est super beau. C'est son cadeau. Hey, c'est vraiment des belles idées, Manon. On espère qu'on vous a inspiré pour vos mariages. Et comme toujours, on vous invite à nous envoyer des photos si jamais ça vous inspire des bricolages. Oui, puis des photos de mariage. Oh oui, aussi, on aime ça aussi. Ça. T'as bien raison. Et ben si vous vous mariez, bon mariage, amusez-vous bien. On en a manqué de mariage pendant 2 ans. Là, ça va faire du bien. Oui, et encore une fois, Manon, merci de ton accueil et de ta générosité, de ta passion aussi pour le bricolage. Merci, je suis contente de t'avoir montré comment en faire. Je suis sûre que tu vas en faire un de chez toi. C'est sûr que je vais en refaire. C'est super facile. C'est vraiment beau. Nouvelle passion de découverte grâce à toi. Merci. Fait que merci beaucoup, mon ami. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Bricolons à la maison avec Manon.